La vice-gouverneure de Provence, Julie Kalenga-Kabongo, a participé ce mardi 1er février 2023 à la messe du 6e anniversaire de la mort de Étienne Tshisekedi à la paroisse Saint-Lambert-Nyongolo dans la commune de La Conchy. L'officiant du jour, l'abbé Joseph Kongolo, qui a orienté son message sur la foi, l'espérance et l'amour, a demandé aux cadres et militants de l'UDPS présents à ce culte de cultiver le tshisekedisme en eux. Pour les trois raisons que j'ai données, la première raison, il sort d'une famille chrétienne, et puis il a donné au monde. Il avait le pouvoir. On y a besoin de cette vie, ni mon politique, ni mon société, ni mon chingai, ni mon chingai. La dernière fois, je suis venu à l'UDPS. Je suis venu à le progrès social. Je suis venu à la démocratie. Quand je suis venu à l'UDPS, je suis venu à l'UDPS. Je sais que je suis venu à une leçon que Dieu a donnée à ceux qui prétendent croire en Jésus-Christ dans ce pays. L'abbé Joseph a fait savoir que vu les actions de grande envergure posées par Étienne Tshisekedi pour l'intérêt supérieur de la nation, s'il lui était permis, il allait profiter de la présence du pape François en République démocratique du Congo, lui demander qu'il inscrit le nom de Étienne Tshisekedi parmi les saints. Et là, il y a un peu de temps pour le monde qui a été en train de se faire. Pour Julie Kalenga, Étienne Tshisekedi est son modèle politique. Julie Kalenga invite tous les politiciens à suivre Étienne Tshisekedi comme modèle de la politique congolaise. Et retenez que le fait Étienne Tshisekedi, autrefois président de l'Union pour la démocratie et le progrès social, et père biologique du président actuel de la République démocratique du Congo, est mort à Bruxelles en Belgique à l'âge de 85 ans des suites d'une embolie pulmonaire.